qui a eu l'idée de ce duo, c'est Gims. C'est moi, ouais. J'ai eu l'idée de ce duo il y a très longtemps déjà. C'est un duo qui devait voir le jour avant, qui n'a pas pu, etc. Mais qui était tellement fort que voilà. Qui a fini par voir le jour. Allez, puissance, puissance spontanée. Tu bouges comme Cesare. On l'a enregistré. On l'a enregistré il y a longtemps et on l'a retouché là il n'y a pas longtemps. Après, c'était quoi? C'était à un an et demi, je crois. Ouais. Celui-là, ouais. Ouais, celui-là, c'est un an et demi. Mais on l'a repimpé cette année. Allez, bougez tous comme Cesare. Bougez, bougez sans arrêt. Bougez tous comme Cesare. Bougez, bougez sans arrêt. Chacun écrit sa partie, le refrain, ouais, c'est... Ouais, chacun écrit sa partie, le refrain. Le refrain, c'est la première chose que j'avais écrite, c'était le refrain. On tournait en boucle juste avec le refrain. Savez-vous bouger le cou à la mode, savez-vous bouger le cou à la mode de chez nous. C'est Gims. C'est mon idée, ouais. C'est un sample, c'est une chanson que j'aime beaucoup à la base, cette cantine-là. Donc je trouvais ça drôle de mettre ça sur un son africain, afro, etc., urbain. Ça, je trouvais que ça cassait vraiment, quoi. C'est comme de mettre, je sais pas moi, des sandales avec un costard, ouais. Ou des crampons. Savez-vous bouger le cou à la mode, savez-vous bouger le cou à la mode de chez nous. Ouais, ça annonce la sortie de mon album. On va retrouver pas mal de nouveautés, pas mal de morceaux du renouveau, du nouveau Black M, comme on ne l'a jamais entendu. Mm-hmm.